Et du coup, la dernière. Allez, la dernière. La communauté de fans. Pour la communauté de fans qui vous suit, avec qui on représente en partie, et les autres qui ne sont pas là, avec le Troisième Forum, le Discord, les pages fans, avez-vous une exclu à leur offrir? Ou quelque chose à leur dire. Ou quelque chose à leur dire. Moi, je suis présent un peu sur le Discord, ouais, donc je suis de temps en temps. Je viens. On te remercie. Je viens un peu de temps en temps. Une exclu, la seule exclu qu'on pourrait annoncer, elle n'est pas annonçable. Voilà. Donc, j'ai en train d'y penser. Ouais, dire, on y pense tous pareil. Tu peux pas. Donc, pas réellement d'exclu. Par contre, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les retours, les remarques et le fait d'être en prise directe et surtout avec des choses artistiques, tu vois, comme la question que vous posez à Joe par rapport à Just Music, les retours sur les morceaux, ça éclaire. Tu sais, quand tu es artiste, tu aimes bien savoir à un moment donné le ressenti d'un album. Après, moi, je parle d'un point de vue personnel parce que j'ai fait des albums en confinement, donc vraiment isolé, même isolé, moins avec les frangins. Astéroïde, je l'ai fait dans ma petite bibliothèque, et comme Latin Quarter aussi, ils ont été faits les deux au même endroit. Donc c'est super d'avoir des retours. Et en tout cas, la communauté, je trouve. Je parle du Discord. Hein. Oui, c'est super constructif. Alors, Discord, t'as vraiment le noyau dur. Ouais. T'as pas de mec qui est de passage ou qui va venir faire sa pub. C'est vraiment des gens, en plus, on en connaît énormément de ces gens-là qu'on a vu en concert. C'est super constructif. C'est vraiment le noyau dur. Et puis, même des fois, les discussions sur les séries, sur les autres choses, sur les trucs, c'est ouais, ça. Ça sort un peu en dehors de. Mais ça rejoint l'univers d'IAM. Exactement. Tu vois la sauce IAM. Ouais, voilà. C'est ça rejoint l'univers d'IAM. Donc, pour nous, pour l'exclu. D'accord. Il y a